Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Je vous rappelle qu'avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog. Donc tous les détails de cette présentation seront sur le blog. Et aujourd'hui, on présente quoi ? Un nouveau drone. Donc je crois que c'est le numéro 8, comme on voit. Et cette fois-ci, c'est la boutique Ishin qu'on trouve sur Amazon, FR, US, enfin tout ce que vous voulez, qui me l'a envoyé pour que je le teste et que je fasse une petite review. Eh bien, on va pas être déçu. Donc le drone, moi j'ai déjà déballé. Donc il se présente, il est comme ça. Vous voyez ? Il arrive avec sa petite radio commande et des ustensiles, donc des protections d'hélices que je n'ai pas mis parce que je suis un fou, des petits pieds que je ferais mieux de mettre pour éviter les crashs, des hélices de rechange et un petit tournevis que je ne sais pas où j'ai mis parce qu'il faut visser tout ce bazar. Et enfin un petit chargeur, tout ce qui est plus classique que vous branchez sur un chargeur de téléphone. Voilà, ça se présente comment ? Ah oui, j'ai oublié de vous parler, donc moi j'ai une version E33C, donc le C comme caméra. Il existe la version E33W qui est fait pour la version Wi-Fi qui est un peu plus évoluée. Donc c'est une petite caméra qui vient de se brancher là et je pense qu'on peut la réutiliser pour d'autres drones et qui est pilotable via la télécommande. L'avantage c'est qu'il y a un petit interrupteur et vous voyez, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, le devant c'est les bleus, l'arrière c'est les rouges, vous le positionnez ici. La radiocommande, vous la démarrez, vous faites un petit mouvement comme ça, il est initialisé, donc si là je démarre, il s'envole. Voilà, on va éviter de se couper. La fabrication est correcte, il y a quelques détails qui servent à rien, comme ces petits trucs là qui n'arrêtent pas de s'envoler, d'ailleurs je les ai perdus tout à l'heure lors des tests. La caméra, il faut bien insister pour arriver à la mettre, et après, une fois que c'est mis, après elle ne veut que s'enlever. Petite batterie des plus classiques qui fait 370 mAh. Il y a sur la, bien sûr, toutes les fonctions qu'on trouve maintenant sur ce genre de drone, retour à la maison, un petit bouton pour faire 360, le truc qui sert mais vraiment à rien. Je sais pas pourquoi ils le mettent tout le temps, ça sert à rien, un pilotage. Ça s'adresse à qui ? Bon, ça s'adresse à ceux qui veulent pas trop mettre de sous et débuter. Il vole quand même assez vite, il a plusieurs modes de vol. J'ai pas testé voir à combien de distance il perdait la liaison. Il est annoncé entre 80 et 100 mètres, je pense que c'est un petit peu moins. Et donc on va aller le faire voler. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Alors ça, maintenant, il paraît qu'il faut le dire en début de vidéo, mais moi, je m'en fiche, parce que je ne vis pas de mon blog, ni de YouTube.